Bonjour. Bonjour Christine, Sandra, Fanny, Emma, Gwen, Christelle est là aussi, génial. Coucou Virginie. Ah bah coucou Anne. Excellent. Régine est là, allez hop, la Vallée, Martine, coucou. Josiane est là aussi, à l'école Marella. Bénérice est là, Fanny, coucou Fanny. T'as fini de travailler alors? Coucou Francine. Alors, donc, coucou Myriam. Ah, ça y est, le boulot est fini. Janine. Evelyne est là aussi. Christine, hein, qu'est-ce que tu... Voilà, coucou Gabriel, Angélique est là, allez hop, pour la deuxième aujourd'hui, Linda, bonjour. Alors, on va commencer doucement, j'ai commencé doucement par vous expliquer donc ce que nous allons faire. Alors, on est toujours dans le thème apéritif. Donc, on va donc continuer avec nos apéritifs et on va faire deux recettes ce soir. Du coup, je n'avais prévu qu'une, mais sinon on aurait eu un peu de blanc. On va aussi faire le petit dôme entre terre et mer. Donc, on va faire les croustillants de fromage frais et les petits dômes entre terre et mer. Donc, ce qui est très, très, très sympathique au niveau de la feuille de brique, c'est qu'elle est croustillante, elle est agréable et c'est un peu différent de ce qu'on peut manger à un apéro parce que vous avez cette petite feuille de brique qui est hyper, hyper légère. Donc, alors, pour si jamais quelqu'un voudrait faire en même temps, on va commencer donc par prendre nos feuilles de brique et on va les enlever du papier. Donc, mon mari est là, hein, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il peut absolument me donner les questions à voix haute, il n'y a pas de souci. Alors, feuille de brique ou feuille de philo, hein, ce n'est pas du tout un souci. La feuille de philo est un tout petit peu plus fine et j'ai presque envie de dire qu'elle est un peu plus compliquée à travailler. Mais voilà, prenez ce que vous avez sous la main. Donc, la feuille de brique, elle est toute fine également. Mais il faut absolument soit la beurrer, soit mettre de l'huile, soit mettre de l'eau. Parce que sinon, vous n'allez pas du tout pouvoir la travailler. Elle ne va pas se laisser faire, elle sera beaucoup trop sèche. Donc, moi, je prends du beurre ce soir, mais si maintenant, vous préférez l'huile, prenez de l'huile. Et si vous préférez carrément juste mettre de l'eau, vous la mouillez à l'eau, c'est pas non plus un souci. Donc, nous allons prendre une paire de ciseaux, nous allons prendre nos feuilles et on va les couper en quatre. Donc, je vais utiliser le mini muffins que j'aime beaucoup pour... tout ce qui est cupcake, soufflé au chocolat, des brownies, des muffins aux fruits. Et c'est vrai que c'est une petite bouchée agréable parce qu'on le prend en main, on mord dedans. C'est pas besoin forcément de prendre une assiette et ainsi de suite. Hein, coucou Brigitte. Donc, on va couper la feuille en quatre. Et donc là, vous avez un quart. Vous posez les feuilles les unes sur les autres et vous lui reprenez un peu l'arrondi avec le ciseau pour que ça fasse un semblant de carré. Hein. Donc, voilà, ce n'est pas grave si nous avons des petits ronds en plus, enfin des petits côtés qui ne sont pas tout à fait droits. Donc, on va prendre le pinceau et vous allez le beurrer. Alors, j'ai un peu triché comme je rajoute une recette. J'ai déjà fait la moitié de la plaque. Hein. Donc, si jamais quelqu'un voulait le faire en même temps, ben, il n'y a pas de souci. Patty, si tu es en train de le faire en même temps, tu auras le temps de beurrer parce que moi, je vais encore faire une deuxième recette. Hein. Donc, on a ici le pinceau. Alors, celui-là, comme je vous le disais déjà à chaque fois, ça garde le liquide ou la préparation dans les poils et vous allez vraiment uniformément pouvoir badigeonner. Coucou Nadia, bonjour Catherine, Patty est là aussi, Patricia Autier et Patty normalement elle est là aussi. Donc
On va badigeonner un peu de beurre ou de l'huile ou de l'eau. Mais c'est vrai que la feuille de brique, alors ça, c'est quand même top pour faire des petites corolles vides à rajouter avec une crème pâtissière, des fruits frais. C'est vraiment sympa et ça change d'une pâte feuilletée. Coucou Christelle. Donc, on a ici... Donc, les mini muffins, on n'entend plus rien, hein? T'es ambidextre. On n'entend plus rien. Est-ce que tout le monde entend quelque chose ou pas? Ouais, bon, ça n'a pas l'air d'être... Alors, on a ici 8 feuilles de briques. Mais normalement, idéalement, il en faut 10. Hein? Donc, pourquoi 10? Parce qu'on a 20 mini muffins et on coupe les feuilles en 4 et il nous en faut 2 feuilles par empreinte. Donc, c'est voilà, on a fait des multiplications, des divisions tout en même temps, mais il vous faut idéalement 10 feuilles. Ceci dit, mon paquet n'en a que 8. Ce n'est pas du tout grave puisque je vais laisser des empreintes vides et je mettrai un tout petit peu d'eau dans le fond, histoire que... Ah, on n'entend plus, on t'entend. Ah oui, ok, génial. Donc, histoire que ça ne cuise pas vite. Donc, vous posez 2 feuilles l'une sur l'autre et en fait, vous allez prendre les doigts et bien l'enfoncer. Puis, je vais prendre un morceau de papier et le pousser dedans, histoire que ma feuille, elle reste bien ouverte. Donc, ça, c'est hyper important. Parce que si après vous voulez remplir avec votre préparation, soit crème pâtissière, soit la préparation au fromage, il faut que votre corolle elle soit ouverte. Hein? Sinon, ok, on entend, génial. Bonjour Jacqueline, coucou Papy. Donc, on a ici les feuilles de papier dans lequel donc étaient emballées les feuilles de briques. Faites attention à la feuille de brique, elle dessèche hyper rapidement. Donc, si votre paquet est ouvert, congélateur, sinon ce sera sec, vous ne pourrez plus l'utiliser. Vous faites une boule et vous allez pousser cette boule de papier dans l'empreinte, enfin entre les feuilles. Comme ça, la feuille, elle s'ouvre et vous arriverez à facilement remplir, donc qu'on fasse une cuisson complète ou juste une cuisson, une pré-cuisson. Hein? On ne voit pas bien à cause des commentaires. Alors, ok. Je ne sais pas comment il faut désactiver les commentaires. Voilà. Ok, super. Bon, je suis désolée, je vais essayer de voir. Faire glisser les commentaires vers la droite. Merci. Excellent. À chaque fois, j'apprends quelque chose. Merci, merci. Génial. Donc, voilà. Voyez, donc là, nous avons nos feuilles de briques qui sont donc mises dans l'empreinte. Et là, j'en ai 4 qui sont vides. On va prendre un tout petit peu d'eau. Mais vraiment, il ne faut pas remplir, juste sur le fond, histoire que ça ne cuise pas vide au niveau du moule. Pensez toujours à poser votre plaque perforée sur votre moule sur la plaque perforée pour avoir la tenue, parce que sinon c'est un peu problématique. 3-4 minutes au four. Tu me dis si jamais il y a quelque chose. Hein? Oui. Donc, juste. Super astuce pour les cuissons. Merci. Donc, juste histoire que ça saisisse, hein? Pas du tout pour que ça cuise. Puis nous allons préparer donc ce qu'il nous faut pour le remplir et vous allez avoir ici déjà 2 œufs. Donc comme d'habitude, je vous prépare la recette. Donc vous aviez déjà les ingrédients sur le post de ce matin, mais la recette sera mise au propre avec la vidéo. Un boursin, un cantadou, un fromage de chèvre. Le chèvre spécialement pour Jacqueline, n'est-ce pas? Donc, et on va mettre ça dans les œufs. On a ici un peu de crème épaisse que nous allons rajouter. Voilà. Puis,
j'ai mis du parmesan sous vide. Vous voyez, j'ai posé mon petit couvercle sur une tasse, histoire de ne pas abîmer le parmesan, parce que quand vous mettez du parmesan dans le frigo et vous l'oubliez un peu au fond du frigo, ben, il est moisi. Hein. Donc là, c'est bien de bien faire attention à le préserver. Et j'ai également ma petite ciboulette sous vide, comme ça. Elle reste bien fraîche. Et on va rajouter ça à la préparation. Salé, poivré. Si vous aimez la noix de muscade, n'hésitez pas à en rajouter. Et on va mettre ça donc dans nos briques qui sont en train de se figer. Si vos feuilles de briques, vous souhaitez les cuire complètement mais vides, vous continuez la cuisson pendant un petit quart d'heure. Hein. Donc, sel et poivre. Alors, le sel et le poivre, c'est toujours un peu en fonction du goût. Mais on a quand même du parmesan, donc on fait attention à ne pas trop en mettre. Hein. Voilà, donc là, on va tout mélanger. Alors là, vous pouvez y aller avec la spatule, hein, puisque ce n'est pas quelque chose qui nécessite d'être fouetté, mais juste d'être mélangé. Donc, les culs de poule, ce qui est bien, c'est qu'ils sont arrondis. Le mélange se fait vraiment tout seul. On n'a pas besoin d'aller chercher dans les bords sur une bassine droite. Et ça, c'est vraiment top. Voilà. Et le pichet. Alors ça, c'est vraiment un petit produit qui ne coûte rien et qui est super, super pratique parce que là, nous allons devoir verser notre préparation dans la brique. Et je vous assure, si je fais ça à l'aide de la cuillère, je vais en mettre partout. Pour tous ceux qui ont le robot, c'est pareil, hein, quand on doit remplir du bouillon, de la crème ou du lait ou n'importe quelque chose, donc quand ça cuit, et ben le pichet est juste idéal. Voilà. Hop. Voilà. On va sortir notre plaque. Alors, on a un super gant de four hein, qui va vraiment bien recouvrir votre main. Il est très souple, donc on arrive facilement à prendre les choses en main. Et là, vous voyez, ma feuille, elle a figé. Hein, et ma petite corolle, elle va bien rester ouverte sans aucun souci. Là, je vais de suite sortir le papier et on va remplir. Parce que la feuille de brique, elle ne se laisse pas forcément faire comme on a envie. Hein. On a parfois bien envie de la dompter, mais je vous assure, il y a des moments où on peut facilement s'énerver avec ce genre de produit. Parce que s'ils sont un peu secs ou si votre papier a pris un peu l'air, c'est un peu compliqué. Voilà, on verse la préparation dans l'empreinte et on verse déjà à peu près là, jusqu'à la moitié. Et s'il en reste, eh ben, on en remettra, il n'y a pas de problème. Voilà. Si vous deviez en mettre à côté, c'est pas grave, ça ne brûle pas rien du tout. Puisque le flexipan, en fait, même si j'en mets là, vous voyez là, ça tombe, ça va me donner une petite croûte et ça va s'enlever sans aucun souci. Alors, personne n'a de questions apparemment, puisque mon mari ne dit rien. À moins qu'en fait, il se soit endormi sur la tablette. Hein. Parce qu'aujourd'hui, il fait beau, ça lave. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Donc la spatule double embout, hein, je vous l'avais expliqué l'autre jour. Je vais l'utiliser tout à l'heure pour le tornado. Elle a un côté fin et un côté large. Très pratique pour travailler. Voilà. Donc là, on n'oublie pas que la plaque est chaude, hein, parce que ça,
Ça arrive parfois quand on travaille, on oublie que c'était chaud. On va mettre ça au four pour un petit quart d'heure, tout doucement à 160 degrés. Hein. Et du coup, vous voyez, ça c'est ce que j'ai déjà fait. Donc prêt à être mis au congélateur et surtout à être réchauffé dimanche. Un tout petit peu pour que, histoire que ça gonfle à nouveau et que le croustillant revienne au niveau de la brique. Donc la plaque alu, c'est bien aussi quand vous voulez congeler quelque chose, vous posez dessus, hop. Comment faire cette recette avec les petits ronds? Avec quels petits ronds? Les petits fours? Les petits fours ou... Alors, il ne faut pas que ce soit trop petit parce que sinon, avec la feuille de brique, ça va être un peu compliqué. Il faut quand même aussi encore remplir puisqu'on met la feuille de brique sur le fond. Et si c'est trop petit, si c'est les petits fours, ça risque d'être un peu juste. Hein. Mais par contre, on peut le mettre dans la briochette, par exemple. Alors, vous avez ici la petite spirale. Alors, la petite spirale, c'est un moule. Vous voyez sur ma page la panna cotta dedans. Il y avait aussi la panna cotta au saumon. C'est un petit moule, mais très, très, très joli. Ça fait vraiment... En fait, quand on l'a sorti, ça m'a fait penser aux petits pralinés qu'on vend dans le Bas-Rhin. Là, les petits chocolats recouverts de cacao qu'ils vendent à Noël. Ça fait vraiment comme un mini couglof. Il est juste magnifique. C'est vrai, ça fait une petite empreinte décorative, mais qu'on peut superbement bien garnir parce qu'elle a donc un petit creux. Là, les briochettes pour la feuille de brique. Comment un petit rond, lequel tu as fini avec le cheesecake? Non, tu ne sais pas. Non, ben, donc la feuille de brique se mettra facilement dans la briochette au cas où. Hein. Alors. Le dôme entre terre et mer, c'est une recette d'une facilité enfantine, mais qui est excellente. Hein. Vraiment, c'est quelque chose... à faire à tout moment. Pourquoi dôme entre terre et mer? Parce que nous avons du légume et nous avons du thon. Mais si vous n'êtes pas fan du thon, au cas où, vous pouvez aussi remplacer par du jambon. Hein. Alors la question c'est, non les petits ronds dans lesquels tu fais les mini cheesecakes? Ah oui, sans aucun problème, oui. Les cylindres. Aucun souci. Alors, je vais aussi vous montrer, peut-on aussi les préparer à l'avance pour les congeler? Oui, c'est ce que je fais. Hein, c'est ce que je fais, puisque ça va être pour dimanche, donc tout part au congélateur. Voilà, et donc on les sortira 2 heures avant. Certaines choses vont être réchauffées, et le dôme entre terre et mer, je vais juste garnir là mon fromage frais par-dessus, mais je mettrai au dernier moment crevettes, ciboulettes, histoire de garnir. Hein. Donc... on a ici, tac, 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 on a ici notre oignon, on va le couper en 4, on a notre courgette, on va la couper également en morceaux, je vais prendre le tornado, si vous avez le iCooking, vous prenez tout, vous prenez l'oignon, la courgette, le fromage, le thon, et vous appuyez quelques secondes sur vitesse 6 et ce sera fait. Hein. Donc, on a ici vous avez votre légume qui est coupé. J'ai une question. Ouais. Cette recette va pour le moule petit four? Oui, absolument. Oh, les petits cubes, le petit four, aussi le cylindre, aussi le mini muffins, sans aucun problème. Nous avons le fromage râpé, je vais le reprendre un peu et nous avons le thon. On va également le recouper parce que sinon ça va parfois rester un peu en paquet et le thon du coup, un va en avoir et l'autre pas et c'est pas très agréable. Voilà, vous voyez là, on a le thon et le gruyère de coupé. On va rajouter ça à la préparation. Et on va avoir donc de la crème épaisse. On va le rajouter.
Et je vais avoir besoin de 2 œufs, un tout petit peu de farine et de levure chimique. Alors pour les personnes qui auraient des soucis de gluten, cette préparation peut se faire à la maïzena, à la fécule ou avec la farine de riz. Ça ne posera aucun souci. Hein. Donc on a ici les œufs. On va les mélanger avec la farine et la levure. Alors, vous voyez, là, j'utilise la cuillère magique parce que ça m'évite de sortir le fouet pour un petit récipient. C'est vraiment juste super. Hein. Ça évite parfois aussi de sortir des gros ustensiles. Alors, moi, je les ai à côté de moi, mais c'est vrai que quand on est dans la cuisine, on ouvre vite fait son tiroir, on sort la cuillère magique et ça prend pas beaucoup de place après non plus au lavage. Voilà. On a donc tout ce qui était sec et tout ce qui est plutôt liquide, on mélange. Et là, on va mettre ça dans les empreintes et on va mettre ça au four pour une 20aine de minutes. On laissera refroidir et on garnit à la poche à douille avec un fromage, soit Madame Loïc, Saint-Moret, un boursin, ça n'a pas d'importance. Hein. Mais moi, j'aime bien le Madame Loïc parce qu'il est, il est léger. Hein. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très agréable. J'ai également un pain en route. Hein, donc, voilà, parce que là, quand le four est allumé, on en profite et on fait tout de suite plusieurs choses. Ça évite de recommencer plusieurs fois des cuissons. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein? Donc là, on met tout ça donc dans l'empreinte. Alors là, une petite astuce, je vais prendre ma toile de cuisson et je vais la poser dessus. Parce que forcément, mon empreinte, elle va un tout petit peu gonfler. Et comme moi, je veux la présenter joliment à plat pour la garnir, si je mets ma toile de cuisson, elle va gonfler, mais elle va gonfler droite. Ça me permettra d'avoir un beau petit creux qui va être garni donc avec le fromage, du saumon, de la crevette, de la ciboulette, un peu ce qu'on aime. Et si vous n'avez pas le temps, eh ben vous mettez juste du fromage et puis un peu de ciboulette et ça ira très bien. Ça fait en fait un peu comme un cupcake, mais un cupcake salé. Voilà. Et cette empreinte donc, pour faire des petits panna cotta, des petites mousses. Elle est très, très, très jolie parce que elle est comme le kouglof, en fait. On met ça avec une pochette. Ah, compliqué parce que il y a beaucoup de morceaux. On pourrait le mettre à la poche à douille, mais sans douille. Hein, sinon, vous allez rester accroché. Mais en même temps, comme ce n'est pas liquide, ce n'est pas vraiment un problème pour le remplir. Voilà. Alors, j'espère que vous avez tous passé un bon week-end, dans le premier week-end de déconfinement. Alors, nous, on a été marcher. Hein, c'était juste magnifique. C'était vraiment un beau dimanche dans les Vosges. Voilà. Et vous voyez la quantité suffit juste pour remplir les empreintes. Voilà. On peut faire ça dans l'empreinte mini-canis ? Alors oui, absolument, très 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 bonne idée d'ailleurs. Enfin, les mini-canis, c'est top. Et c'est vrai que ça permet. Alors moi j'aime bien quand je fais des apéros changer mes moules comme ça, je n'ai pas besoin de réfléchir. Je sais que ça, je l'ai fait là. Et les cannelés, par exemple, je vais les faire au chorizo. On en a déjà fait au chorizo, puis les sucrés. Mais là, je saurais sans réfléchir quelle est quelle recette, puisque j'ai fait ma recette dans les cannelés, l'autre dans les petites empreintes, donc spirales, et ainsi de suite. Parce que si parfois on utilise plusieurs fois la même empreinte, du coup, on ne sait plus
qu'est-ce qu'on a fait dedans si on prépare plusieurs choses en même temps. C'est comme le pain. J'aime bien changer d'empreinte parce que si je fais du pain complet ou des pains aux graines ou des pains aux abricots, aux figues et ainsi de suite, je sais que dans le rond, ben, j'ai fait celle aux abricots, dans les longs, il y a celui aux pruneaux. Voilà, ça permet de se souvenir beaucoup plus facilement de ce qu'on a mis. On va tapoter, comme ça, ça va s'égaliser. Voilà. Et du coup, si on était un peu plus généreux dans l'un que dans l'autre, on peut de nouveau équilibrer. La toile de cuisson. Celle-là, on l'a déjà utilisée plusieurs fois. On va donc la poser sur l'empreinte pour l'enfourner comme ceci, donc au four, sans avoir besoin d'avoir peur que ça ne fasse un gros dos. Mais ça va gonfler, mais ça va gonfler droit. Hein? Donc, ils vont monter doucement, ils vont pousser la toile et ça va donc monter droit. Ça, c'est aussi très intéressant. Quand vous avez maintenant, par exemple, un gâteau et que vous avez une belle marguerite et que vous souhaitez donc pouvoir voir ce beau motif sans que votre gâteau ne fasse un ventre, et bien du coup, vous posez la toile dessus, peut-être même une plaque par-dessus, selon ce que c'est, et du coup, ça va monter, mais ça va monter joliment droit et vous aurez un gâteau qui est beau sans que vous lui coupiez donc le ventre qu'il aura fait. Hein? Voilà, voilà. Alors, je vais juste vite aller au four pour voir si tout va bien. Pas de question. Pas de question. Ok. Voilà, encore quelques petites minutes de cuisson. Mais donc là, vous avez donc déjà le résultat final. Donc l'œuf, si vous voulez, avait gonflé. Avec le froid, ça va un tout petit peu retomber. Mais le fait de le réchauffer, ça va donc à nouveau gonfler. Et surtout que vous redonnez du croustillant à votre brique. Voilà, on a donc fait nos deux petites recettes apéritifs. Et on se redonne rendez-vous pour demain 18h. On va faire la farandole de cake salé. Et bien entendu, je reste encore avec vous si jamais quelqu'un avait une question ou voilà, besoin d'en savoir un peu plus sur quelque chose. En tout cas, tout ça se congèle, mais faites attention, ne le congelez pas forcément dans le moule, parce que si vous voudriez encore faire quelque chose, ce serait dommage. Vous démoulez, vous posez sur la plaque, vous allez au congélateur avec. Alors, les feuilles de brique, je les laisse sur la plaque, parce que sinon, on risque de les écraser, parce que c'est quand même hyper fragile. Mais le reste, une fois que c'est gelé, je le mets dans des sachets. Et dès que ça sort du congélateur, je le repose sur la plaque perforée, histoire que ça ne prenne pas l'humidité. Hein? Des questions? Voilà, bah c'est excellent. Alors, soit j'ai bien expliqué, soit je vous ai perdu en cours de route. Hein? Donc, voilà. Ah, bah ça sort, je vais vite vous montrer la sortie des empreintes. Voilà. La farandole de qui? La farandole de cake salé. La farandole de cake salé. Voilà, vous voyez, là, vous avez donc les petits croustillants donc qui sont prêts. À combien de temps pour la chauffer? Oh, pas plus que 150. Parce que la feuille de brique, elle va vite prendre la couleur sinon. Hein? Donc là, la cuisson, c'est pareil, c'est 160. Et combien de temps? 5-7 minutes. Hein? Il faut surveiller, mais c'est pas histoire de les avoir tout chauds, mais c'est histoire de leur donner un petit coup de frais. Donc, quand on les réchauffe avant de les manger pour qu'ils soient croustillants et pour qu'on ait cette bonne odeur donc, de préparation fraîche. Hein, donc, le chaud va lui donner comme si ça sortait du four, en fait. Voilà, encore une question? C'est tout bon. C'est tout bon. Bon, ben écoutez, moi, je vais terminer donc mes cuissons. Je vous souhaite un bon appétit, une belle soirée et surtout une superbe belle semaine parce que comme c'est parti, on va pouvoir en profiter. Bonne soirée à tout le monde.